Les actes que nous posons peuvent avoir des conséquences désastreuses sur notre état de santé, notamment. Des avortements, par exemple, peuvent être la cause de kystes et bien d'autres choses entraînant la stérilité. C'est le cas de la sœur Aka Marie-France. Bien qu'elle ait déjà 2 enfants, elle souffre d'un kyste ovarien causé par plusieurs avortements qu'elle a fait, l'empêchant désormais de connaître à nouveau la joie de l'enfantement. Éprise de regret, la sœur Marie-France s'en veut énormément. Aka Marie-France, je veux bénir le nom de Dieu. Il a fait un miracle pour moi. Il y a 2 mois de cela, j'étais en poste et j'avais très mal. Je suis allée à l'hôpital et ils m'ont dit que j'ai un kyste ovarien. Il faut dire que le kyste est survenu. J'ai 2 enfants. Voilà, j'ai 2 enfants. Et il y a pas mal, faut dire qu'il y a pas mal de grossesses et tout que j'ai fait passer. Et à la suite de ça, l'appareil génital a été vraiment endommagé et voilà, le kyste ovarien est survenu. Okay. Donc je suis venue depuis le vendredi passé, je fréquente les prières que vous organisez. Je réside à Akoupé, voilà. Je viens d'Akoupé. Depuis un moment, je me sens triste vu que c'est à cause de tous ces avortements, que j'ai eu ce kyste et mon appareil endommagé. Donc quand je suis venue... Participant alors à la retraite, la sœur Marie-France espérait en la miséricorde de Dieu en priant pour être guérie de ce kyste. Ainsi, pendant la prière, une action prophétique appelée le cri prophétique déclenche en elle le processus de la guérison. Je priais, je dis... Ça dit, quand j'appuie, j'ai automatiquement mal. C'était pendant le cri prophétique. On lisait le psaume 119. Je priais, je demandais à Dieu vraiment de me restaurer. Pendant que je lisais le psaume, j'ai comme perdu les os, du liquide rosé, un peu gluant. Ça coulait. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis la chose me dit, le kyste est parti. Et je suis venue rendre gloire à Dieu. La douleur qu'elle pouvait ressentir quand elle appuyait son bas-ventre, signe de la présence du kyste, a disparu. Le liquide qu'elle voit sortir d'elle étant la preuve matérielle que la puissance de Dieu a fait se casser ce kyste. Marie-France rend grâce au Seigneur, car sa miséricorde durera toujours. Le berger Achiapa comme Marie croit que si la maladie n'est pas le problème ultime, alors la guérison ne peut être la solution finale. Si le péché est le problème ultime, alors le salut est la solution suprême. Faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9 à 10.